Et salut tout le monde, c'est Sagittarian, on se retrouve aujourd'hui pour un cast de FFA, de tournoi organisé par notre ami Vandy et notre ami MySkip, c'est parti. Alors, je vais juste régler l'overlay pour pas qu'on voit le temps. Je pensais pas que ça allait pop en bas. Ça. Hop, on va mettre ça là. On va mettre ça comme ça. Ok. Donc nous avons le cosmos qui commence en haut à droite en mongol et donc à côté de notre ami orange Vindicator, où ils sont très très proches les deux. Donc c'est un tournoi, je répète, FFA full random, c'est une finale qui se déroulera en 3 games les amis, donc pas de caméra aujourd'hui, ça sera que du cast. Nous avons en rose notre ami Slammer qui pop en français, donc la map elle est séparé par un petit cours d'eau. Ok. En chinois, nous avons ici le zouave. Nous avons notre ami en vert, Violent Ken. Et juste en dessous de lui, Arish, en russe. Le Deli. Donc, le Deli, c'était notre ami MySkip également. Oh, on a trois Deli, hein. Vindicator, MySkip, Violent Ken. La partie de la droite de la map elle est pas beaucoup exploitée du coup. Ils sont assez regroupés au nord, au sud notamment. Peut-être MySkip sera un peu plus tranquille. Donc je crois que c'est pas du nomade, hein. Je crois que tous les TC c'est full random en fait. Ah quoique non, si en fait ils construisent un forum, c'est du nomade. Ok, donc les TC ont été posés quand même relativement rapidement sur la game. Qu'est-ce que c'est comme option dans cinématique en observateur? Afficher la carte, ok. Caméra libre, ok. Donc, notre ami Zouave, est-ce qu'il a fait ses scouts? Ok, il ramène ses villageois. Je pense qu'il y aura des fights hein, très très tôt. Je sais qu'ils ont un système de points sur les First Blood, sur les nombres de kills, donc normalement ça va être assez dynamique, je pense. Donc ils ont un classement, donc forcément au niveau de leur positionnement à la fin de la game, ils ont un classement voilà, selon le premier qui tue, le second, le troisième. Ça peut jouer également à la merveille. Ok, nous on a donc le chinois qui profite de la rivière. Ça c'est cool, il a un bon spawn hein, au niveau des CR. La rivière, le bois l'or, ouais, vraiment pas mal le zouave. Slammer, non, Slammer du coup, ok, il a wall sa partie, donc il s'enferme un peu avec son ami zouave. Je pense qu'ils vont essayer de se battre pour le contrôle du côté ouest de la map. Et Obsédar hein, qui est juste en face du coup de l'autre côté. Qui a sa petite île à lui au milieu. Il va être un peu pris entre deux fronts. Hein. Après il a beaucoup de ressources mais bon, déjà il est wall d'un côté. Ok. On dit qu'il fait ses B un peu loin de son TC. On va faire attention. Le mongol qui prend la chasse. Cosmos. Ok, il est pas son TC. Ouais, je pense qu'il va vouloir se repositionner plus près des. Dans un coin. Et là il va être vraiment bien. Ça lui prend un peu de temps mais je pense qu'il va être bien au niveau de la map.
peu d'idle là, c'est bon. Alors, au niveau de la chasse, ouais, il va avoir ce qu'il faut en russe. Deux russes qui vont se partager la chasse sur la map. Je pense qu'ils auront leur prime largement. Est-ce qu'on peut voir les... Je sais pas si je peux voir. C'est Obsidar. Cinématique. Obsidar, je la garde pas. Ok. Je teste les options, hein. Oui. D'accord, donc Obsidar qui a 70 de prime. Ouais, parce que je peux pas les voir comme ça. Obsidar qui a 70 de prime pour l'instant. Au niveau de Harich. Au niveau de Harich. 85 de prime. Je sais pas s'ils ont. Ok. Ah ouais, donc en fait je peux changer le... Ok. Ah mais si c'est bon, je peux me mettre en mode cinématique. Ok, par contre je vois pas les ressources. Si je fais comme ça... Score du joueur, ah, ça prend un peu de place. Hein. Ok, on peut faire comme ça. Ah par contre si je change lui, on voit le... On voit le timer de... L'académie pour notre ami chinois, le Zouave. Ici on essaie vraiment de se protéger chez Slammer. Ok. Ils sont en train de se voler tous les deux. Slammer a capté qu'il était à... entre deux feux. Qui va être entre deux feux. Ça profite bien de la pêche en tout cas. Ce côté-ci. Alors sur la map j'ai du mal à voir les scouts là. Je sais pas si les russes... Ah si, on peut voir leur prime là sur les lui ou pas. Donc Arish qui a 145 de prime. Cédar qui a 80. Que les cerfs commencent à disparaître. Donc au niveau des landmarks, qu'est-ce qu'on a? Donc je suis forcément école de cavalerie, c'est pas étonnant. Sur César, on n'a pas edge up encore. Oula. Oh ok, on lance un Kremlin. Ok, intéressant. Il peut être pas trop mal placé. Ça peut le protéger un peu. C'est à lui, juste à Demi. Donc merci d'être indulgents les amis. C'est pour moi premier cast de tournoi. En plus c'est du FFA, il y a beaucoup d'infos. Hein, donc je risque de peut-être en louper. Ok, Vindicator, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il fait la... Ok, il a déjà fait le Dôme de la Foi. Il y a Harish qui est... Est-ce que Harish est job parce qu'il est pour l'instant peut-être un peu hors... Un Kremlin. Les Russes jouent Kremlin. Hein. Il n'y a pas de porte dorée pour le moment. Donc c'est vraiment... On cherche vraiment à se protéger. Tous les délits a priori sont partis sur Dôme de la Foi. Et Ken, qu'est-ce qu'il a fait? Dôme de la Foi également? Ouais. Tous les délits, donc c'est Dôme de la Foi. Ouais, c'est peut-être de prendre les reliques, les sites... Je pense qu'ils doivent pas être contents quand même de jouer des liens. Moi, je sais que cette cible, c'est la pire cible clairement d'un tournoi en tournoi random en FFA, que ce soit en tournoi ou pas, mais en tournoi, ça va être encore plus rageant. Alors, 3 délits pour se partager les sites sacrés, ça va être déjà que tout seul, c'est impossible d'en avoir. Ça va être vraiment une galère pour eux. En plus, c'est le pire impérial du jeu, et dans ce mode-là, ça va être vraiment compliqué. Donc là on a Cosmos qui s'est mis du coup il s'est bien installé dans son coin hein. Je pense qu'il va être tranquille, bon c'est cool pour un joueur mongol qui a pas trop moyen de se protéger de toute manière. Donc ça c'est pas mal.
Ah non, il a annulé son Kremlin, ok. Il repositionne notre ami Obsédar. Yo, Emwick. Ça va mon pote? Et merci pour le follow MG93. Bienvenue pour cette petite partie de tournoi FFA. J'ai hâte que ça se mette sur la gueule parce qu'il y en a qui sont vraiment vraiment côte à côte. Oh, salut mon Foxtrot, ça va? Ok, la barbacane passée à l'intersection de la rivière. Un peu d'action de ce côté-ci, on double TC. Slammer. Slammer qui cherche vraiment à se protéger là. Je pense que ça va être compliqué pour notre ami Slammer. Si on veut vouloir le sortir pour être tranquille, le chinois et le Obsédar et le Zouave. Est-ce que ça va chercher le First Blood pour avoir des points supplémentaires? Wow! Si ça crée déjà? Ok, je vois pas le timer là. 11 minutes. Okay. On tente, je sais pas s'il va le garder longtemps. Ok, ça va voler. Ouais, il va essayer de le protéger un peu. Il a peut-être moyen de le garder un petit peu. Il peut peut-être prendre un peu d'avance du coup sur son castle. MySkip, il a la gold en plus que là son forum. Il y a moyen de faire un peu d'or ici rapidos. Et peut-être du coup, s'il passe rapidement, il peut se gaver au niveau des reliques. Ok. Pierre à serre pour Cosmos. À 11 minutes, ça commence à faire peut-être un peu long. Le site sacré, tu penses qu'on le garde? Je pense que c'est chaud à garder. Hein. Après, assez bien joué hein, de voler, essayer de le garder le plus longtemps possible. Yo le mégo, merci pour le follow, ça va mon pote? Merci d'être venu. Donc je répète, il y a 3 games, ça va être long. J'espère que je vais avoir la salive jusqu'au bout. J'ai ma petite bouteille de Volvic à côté, c'est bon. Ok, déjà voler 3 sites sacrés. MySkip va vraiment, vraiment pouvoir boomer pop de l'or là. Il est déjà. Ah c'est bon, il est déjà à 600, je pense qu'il est à edge up, ouais. Ok, enceinte de défenseur, normal. Enfin, les délits vont mettre des châteaux partout, hein. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire en FFA de toute manière. Ouais, ça va être chaud de les garder. Hein. Parce que là il va avoir toute la map à dos là. Perfect sponsor. Ouais, j'ai changé un peu. Au niveau de l'eau, je tourne. Je suis aussi AMG. AMG. Je suis G AMG, mais j'arrive pas à écrire dans le chat avec. C'est dire quoi, mes gauches, je comprends pas. Il y a tellement d'infos à vous décrire là, 8 joueurs. Oh. Ok. Juste un scout qui s'est perdu. Obsédar. Qu'est-ce que les Russes ont leur prime? 155 chez la riche. Après, les autres ont peut-être essayé de les deny. Obsédar, 190. Bon, je pense qu'ils ont même pas les 250. Je pense qu'au niveau de la chasse. Ouais, il reste encore de la chasse. Hein. Faudrait qu'ils essaient de récupérer un peu de chasse. Ah, la liste sacrée. Ah, il a pas pu finir son wall. Hein. Après, c'est bien joué. Il les a quand même gardé un peu. Mais FFA c'est... On savait pas remis de passer château hein. Là ce qu'il faut c'est qu'il essaie de récupérer max de reliques. Ah ok le mégo ça marche, merci bon. Bah écoute c'est cool, ça me fait double follow, merci mon pote. Ok double TC, donc il avait du retard sur son âge mais il va pouvoir boomer. Cosmos. Donc au niveau de l'H3, de toute façon il n'y a que MySkip du coup. C'était greedy son move des
C'était sacré, mais c'était. Je pense que c'était bien. Il va regarder pas longtemps. Ok, on essaie de le reprendre. Dans le wall de My Skip, on le respecte pas. Le Lankin qui s'est dit que c'était le bon créneau. Alors le Vindy, le père Vindy, le père Breton. Et écoute, il passe sur une maison du savoir. Ok. Alors maison du savoir, c'est pour avoir des technologies uniques. Il va donc pas trop jouer sur les châteaux. J'aurais plus fait l'autre landmark moi personnellement. Après bon, il va bénéficier des technologies de ses âmes d'armes. Ouais, Delhi, bah il y a 3 Delhi, hein, ils ont pas de chance. Hein. Ils ont pas de chance. Ouais, les Mongols, en plus, il est complètement redécalé. Il a pas de pâturage. C'est vrai. Par contre, il a de l'or, ouais, faudrait qu'il parte sur des pâturages. Parce que les baies, de toute façon, après, il reste des serres. Hein. Il reste vraiment des serres. Hein. La chasse a pas été exploitée trop de nos amis russes. Est-ce que le son c'est bon là par rapport à... J'ai l'impression que le jeu est super fort. Ok, il y a du fight au middle. Ah, les délices se mettent sur la gueule. Je crois que Vardy s'est dit de toute façon les sacrés c'est mort, je vais les laisser. Je pense au middle ça va vraiment se fighter, hein, mais ils vont chercher à le faire. Ouais, ok, un Wololo. Oh, on pose déjà un château de pour My Skip. Ça c'est le bon plan au middle. Faut qu'il récupère un max de reliques. Ok, les âmes d'armes qui font le taf. Ah, les villageois ils vont se faire. Ok. Je crois qu'il a cancel le château. Ouais, il pourra pas le faire. Ok, un peu plus loin. Derrière. Là, un château au middle, là, ça aurait été bon plan là. Ok. On veut Lankin qui renforce sa position. Alors, je précise, ils ont pas le droit autour de. Pas de conneries autour de tour canon pour le tournoi. Ah, je pense pas qu'il. Oh, je connais Vendu, je pense pas qu'il stream hack. Et bah, si. Ils ont eu des rappels hein, sur le. Pas essayer de stream hack. Après, il y a tellement de joueurs que c'est. Tu peux pas avoir toutes les infos, même si regarde le stream. Je sais qu'ils peuvent pas. C'est un tournoi à FFA, le Mego. Donc, FFA, je crois que c'est Nomad. J'ai pas fait gaffe au début parce que j'étais dans les réglages. Yo Montaro, je crois que c'était. Donc, il y avait. Donc en fait ils doivent déplacer leur... ils doivent construire leur forum, ils ont 3 villageois qui popent partout sur la map qui est en plus aléatoire et ils doivent faire leur forum. Donc c'est super apprécié hein, de la communauté Edge of ce mode de jeu. Salut Mongrid. Et je sais que Mystic Cutie il réclame que ça devienne un mode ranked. Pourquoi pas peut-être un jour voir ce mode en mode ranked, ça serait particulier. Il est partout le tarot. Salut les terrasses. Salut les gars. Ok. Ça prend vraiment fou. Ouais, 3 TC. C'est peut-être un moyen. Ok. 3 TC, ok, maintenant il part sur tous ses pâturages d'un coup. Donc, gros boom chez Cosmos. Hein. On fait vraiment pas d'unit. Il y a un full écho là. Au niveau de la pop. Slammer. Oulala. Ok. Ça y est, Slammer il commence à se faire bien maltraiter là. Le 2v2 ranked, ouais, j'ai hâte aussi. Voilà là. Oh, les villageois là, c'est terrible. Ah, le Shukunu, il le voit pas, il aurait pu le sniper. Alors, je sais pas ce qu'il veut faire, si c'est un. Si c'est un suicide. Si de toute façon je suis foutu. En même temps, il avait vraiment une position. Compliqué à Slammer. Alors est-ce qu'il veut se repositionner? Ah, il a pas de ressources pour faire un TC, il a plus de pierre de toute manière. Ah,
Bah, c'est des joueurs connus, ça dépend ce que tu appelles connu. Si c'est des gros top FR, je ne pense pas, ou je les connais pas en top FR. Moi, je les connais, j'en connais pas mal. Et je sais qu'il y a quand même du bon niveau. Il y a quand même des bons joueurs. Et il y a des joueurs, ce qui est le plus important, FFA, finalement, c'est peut-être pas d'être le meilleur des joueurs, mais surtout d'être malin et profiter des situations. Et de ce qu'on m'a dit, il y a des joueurs qui sont peut-être pas forcément les meilleurs sur le papier, mais qui sont très malins et qui peuvent très très bien s'en sortir. Et puis de toute façon c'est random hein, donc tu peux être le meilleur joueur du monde si tu pop seul au milieu de toute la map. Ok, on a renforcé les tours, les villageois là qui sont inactifs. On va quand même regarder ce qui se passe parce que je pense que Slammer va sortir là. Ça va être First Blood de Zouave, donc First Blood il prend 3 points en plus. Je sais que j'aurai accès aux résultats entre les 3 parties pour avoir un peu le classement. Donc notre pauvre ami Slammer, malgré ses petites protections, ses petites barricades du début là, ce sera pas suffisant. Je pense qu'il aurait peut-être dû essayer de faire de l'armée et essayer d'en sortir. Le bélier est totalement bugué là. Totalement taré. Ouais, Slammer c'est compliqué, il lui reste plus que son dernier landmark. Celui-là a 4 de pop donc. Deux derniers villageois ici. Ça va être fini pour Slammer et. Le Zouave, si je dis pas de conneries, prend 3 points sur le first blood. Ok, on se fait un petit délire, un petit dessin. Non, non, c'est cool, c'est bien d'organiser des tournois comme ça, c'est bien pour la communauté. Et c'est. Ça reste des bons joueurs de team games, il y a vraiment des bons joueurs, même en 1 contre 1. Il y a tous les niveaux. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est toujours cool d'organiser des tournois sur Edge. Il y a quand même une bonne communauté FR, moi je trouve, j'aime bien. Et donc, ils m'ont demandé de stream, et moi j'ai dit carrément, c'est un poteau le Vindicator. J'ai dit si je peux vous filer un coup de main, si je peux caster votre game, y'a pas de soucis. Ok, donc le russe qui part sur de la cave, Arish. Il a pas trop été chercher son voisin. Après, est-ce qu'il y a des alliances? Est-ce qu'il y a des joueurs qui se connaissent? Ça, je ne sais pas. Ils se sont pas trop mis sur la tête tous les deux, côte à côte. Ils se sont respectés. Ils ont fait une trêve. En tout cas, Violent Ken qui capitalise bien sur les sites sacrés là. Ça fait longtemps qu'il a les deux au milieu. Il a mis un château. Bandit du coup qui paye son château 800, donc ouais, donc il est parti sur la maison du savoir. Je sais pas pourquoi, quel était son plan dans sa tête pour faire maison du savoir. Déjà que des lycées compliqués, autant bénéficier des châteaux moins chers. Ah, il a l'upgrade de la lave, donc là les Zendarmes font rien sur son château. Ouais, le killige, ouais. Ouais, je sais, mais du coup, ça veut dire, ouais, tu vas pas du tout. Ouais, remarque, il va pas du tout jouer l'éléphant. De toute façon, l'éléphant en FFA, c'est pas ouf. Mais... Ouais, killige plus 3 d'attaque. Ouais, donc, ouais. Ouais, donc ton plan, ça devait être jouer vraiment sur les hommes d'armes, d'un coup. Lankane se met bien. Après il va falloir il a laissé sacré, il va falloir qu'il se débarrasse je pense du Zouave ou de Harish. C'est quand même entre deux. Ok, donc le Zouave qui a passé HK. C'est le seul pour le moment. Ah, Cosmos passe château. Cosmos qui est dans son coin, qui fait pas de bruit. C'est quoi ce bâtiment? Pierre à serre, ok.
Je crois que ça doit être du misclic, ça. Ou alors, non, il planque déjà un bâtiment. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle fait là, sa pirata. Doit y avoir une réunion entre druides qui va se passer ici. Une secte va se réunir, je pense, à la pleine lune. Avec la meute de tarot. Quelque chose comme ça. Je pense. Ok, on fout le bâtiment, ça y est, on se met à faire de l'armée. Bon après il a joué sur leur repositionnement, hein. C'était son play de se dire je vais dans le coin, je vais être tranquille. C'est le cas, il était tranquille. Parce que quelqu'un leur est push là, il a fait 0 unit depuis 25 minutes. Hein. Mongol 3TC, vraiment... Décomplexé quoi. Il s'est dit, tout le monde va se taper sur la gueule, je vais rester tranquille, je vais pas faire de bruit. Je vais mettre ma pierre à serre dans le fourré. Ok, Vendi, donc wall pierre. Ah donc Slammer donc déjà est déjà sorti, ça libère de la place. Du coup le Zouave qui est pas mal dans le coin de la map. Faut qu'il fasse attention à Ken ici. Ken qui profite toujours de ses sites sacrés. Vendi qui a réussi à en prendre un du coup. Ma esquive qui les avait au début, lui il en a plus un seul, il s'est dit fuck, je vais en récupérer. Et là c'est vraiment la guerre des délits au centre hein. Genre Ouais au niveau des reliques ça donne quoi. J'en vois plus sur la map s'il en reste une là. Donc on va regarder, je pense que c'est les délits. Ok Valentine qui en a deux, il en ramène une. My Skip en a 4 quand même. Donc Vendi a dû se faire carotte dans l'histoire. Eh ouais, Vendi est pas servi. Ah, il en a une. Il en a une. Vendi est pas servi, mais il a un 6 sacré. Donc je pense que là, la Violenquette se met très bien. Il a 4000 d'or. Il a une com assez insane. Hein. Il a deux villageois à l'or, il a 4000 d'or. Je vais juste regarder. Ok. Obséda récupère un peu de. Non, c'est le dé. Il a récupéré un peu de. Putain, ça bug, mon nuit là. Au niveau des primes, est-ce que les Russes ont récupéré un peu de chasse? Ouais, 220 et Arish. 220. Ouais, ils sont. 220. Et Arish. 260. Bon. Ils ont récupéré un peu de chasse. Wow, wow, wow. Ça y est, là, il y a la bagarre, les gars. Les éléphants, les hommes d'armes. My Skip qui force au middle. Il y a 3 tours, mais il a des trébuchés. C'est bien, ça joue. Ça joue, ça campe pas trop, c'est plutôt cool pour l'instant. Obsédar, par contre, pas lui qui. Peut-être va camper un peu là. Profite que tout le monde se mette sur la gueule au milieu. Vendi du coup qui est un peu en retrait. Et là Ken et Mighty qui sont en pleine baston. Ça fait des châteaux. Je crois qu'ils ont pas de. Ils ont pas mis de. De cash price. Et ils ont mis un titre sur leur Discord. Gagner château en origami. Tu peux te poser sur ton bureau. Ok. Ah, Mighty qui arrive à tout dégager au middle. Hein. Après, il perd des plumes et si ça se trouve, c'est Vendi. Si, bon, il est pas au courant de ce qui se passe, mais c'est Vendi qui pourrait tout rafler s'il venait foutre son grain de sel. Chut.
Et là, Violent Ken qui a de la chance que c'est. Il a vraiment de la chance, ses voisins ne l'agressent pas. Hein. C'est compliqué de jouer des lits quand même. Hein. Putain. J'ai toujours des lits moi dans les FFA. Toujours. Si c'est du random, j'ai toujours des lits. Malheureusement. Et ouais, il a vraiment de la chance. Hein. Les Russes sont vraiment. Chillax. Détendu du slip. Harry, je prends pas trop de place. Il reste dans son coin. Il reste sage. Obsédar qui reste sage, mais bon, qui prend quand même. Prend quand même une bonne partie de la carte. C'est sur le nord de la map. Au niveau des âges, du coup. Ah, mais Skip qui était passé premier H3 et. Qui est un des derniers H4, du coup. J'arrive pas à voir la. Vendi. J'ai la roue sur le. Vendi, Vendi. Vendi, il est H4. Okay. Ah, ça y est, mais skippage impérial. De toute façon, c'est pas. L'âge impérial en délit, ça sert pas grand chose. Hein. Ils vont mettre un quart d'heure, voire plus, pour leur, leurs upgrades là. Il a fait beaucoup. Beaucoup beaucoup de mosquées à My skip. Donc du coup peut-être ces technologies vont aller assez vite, remarque. Je sais pas ce qu'ils ont fait comme comme bâtiment H4 les délits du coup. S'ils font les éléphants, le palais du sultan là. Ou l'académie d'Iskar. Palais du sultan, ok. Il est vraiment parti sur bah, c'est vraiment le seul délit qui joue vraiment les éléphants là, My skip, j'ai l'impression. Ken du coup qui s'est fait clean up middle là. Du coup il a plus de titre sacré. Là j'ai écrit à côté des pseudo à droite. Putain oui. Ouais, j'ai tellement trop d'infos que là j'ai mon cerveau qui bug. Qui bug un peu. Mais ouais, oui c'est vrai en plus je le sais. Là, ils ont laissé les scores affichés par contre. Moi je suis pas fan des scores affichés sur le mode. Hein. Après c'est peut-être bien pour c'est peut-être bien évolué pour pas que quelqu'un prenne trop la domination sur le jeu et que ça continue sur une partie plus équilibrée. Allez des esprits pour chinois. Je pense que là il pourrait se mettre bien, il est à First Blood s'il partait sur des lanciers de feu. Des lanciers de feu, peut-être qu'il pourrait sniper son voisin, notamment. Et Harich qui a vraiment pas bougé, ses unités sont en place. Je pense que il a dû leur donner l'ordre de pas bouger un poil de cul parce que sinon ça allait chier. Victoire merveille autorisée, ouais. Je crois que sur leur phase, parce qu'hier c'était les qualifs pour la finale, donc je crois qu'ils ont eu. Je crois qu'il y a eu des victoires merveilles. Je sais qu'il y avait Ace Solid hier, qui était à 30 points et je crois que c'était énorme. Il a dû faire des grosses games. Bon, de toute façon, c'est un bon joueur. Et je crois qu'il a pas pu venir aujourd'hui, parce qu'il était en finale. Et je pense que la victoire merveille, c'est pas mal quand tu finis notamment un contre un, que tu sens qu'il y en a un qui va. Il reste 3 joueurs, il sent qu'il y en a un qui va dégager, tu peux peut-être envisager la merveille. La faire trop tôt, ça, à mon sens, c'est risqué parce que bah, tu vas te prendre toute la map sur la tronche. Si les mecs sont pas cons. Le Zouave qui agresse, hein. Le Zouave qui est là pour sortir des joueurs. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et les Russes peut-être qui payent leur prix de leur passivité. Leurs unités sont vraiment immobiles. Ouais c'est ça. Moi c'est ce que j'ai fait hier, on a fait un FFA en tout pote là. Bon bah malheureusement j'avais des lits et j'ai fini un contre un contre Vendi. Mais du coup j'avais fait la merveille. Alors, par contre full chevalier, la merveille il me la dépop vraiment en 2 secondes quoi. Qui était français. Et cette map, tu finiras contre un Deli contre français, mec, c'est même pas la peine. Te déplacer contre un français, c'est une horreur.
Ok, oh là là, il y a une belle masse aussi hein, chez, chez Cosmos. Chez Cosmos qui a pas été embêté la game. Ah, attention. Les tours. Normalement, les tours. Canon sont pas autorisés. Hein. Russe, mur en pierre, ouais. S'ils font le bâtiment Tour Spaskaya. Donc, ils sont mis en mode turtle, mais malgré son petit labyrinthe. Le joueur continue sa percée. Au niveau du middle, du coup, ça donne quoi? Ok, donc ma skill qui est bien installée. Ok, le château. Oula, le château qui tape le mur. Château canon, oui, mais pas les tours. Bon, ça reste plus difficile de spammer les châteaux, même si. Même si on peut en faire quand même. Après, peut-être pour le mongol, ils l'ont autorisé, sachant qu'il ne peut rien faire d'autre. Je sais pas. Ok, on avance avec des tours. Bandit qui va pas tenir la masse là, je pense quand même. Quoi qu'il y a les smingales, il pourrait les mettre sur le mur là. Pour gagner de la range. Ouais, les unités sont tout bug. Merci de voir. C'est dommage, il a le nombre, mais là il se fait bugger par ses propres tours. Unités qui tapent quoi. Enfin, très mauvais fight notre ami Cosmos. Ok, donc il a fait des tours espagnols. Non non, c'est un fight de merde. Hein. Ah, il se fait démonter. C'est dommage parce qu'il avait, il avait le nombre. Hein. C'était totalement clean. Et là, Vandy qui a moyen de, le sortir. Hein. Ouais, il est obligé de prendre la fight, mais là, il aurait dû reculer ou la prendre ailleurs. Quoi. Plus bouffe, ouais, il a ses pâturages, mais... ouais. Ah, au niveau des ressources, ah ouais, il a 58 villageois, il a plus de bouffe, il prod à fond et ah, c'est fini pour Cosmos. Le fight était fatal là. Donc, il cherche à détruire toutes les tours, je pense que là il pourrait laisser peut-être cette partie là et se concentrer sur cet essai et le sortir. Il veut tout raser. En même temps, ça va, ça tombe super vite. Les bombards qui font taf. Bon, je pense que c'est fini. Il y a toujours sa pierre à serre, hein. Sa pierre à serre qui a pas du tout été déployée de la game. Du coup. Et je crois que ça s'en est pas rendu compte. De toute façon, est-ce qu'il peut passer encore derrière? My skip qui apprend une bonne partie de la map là. Il a toujours ses sites sacrés. Je pense que ils sont trop occupés. Ah, My skip qui push LD. Franchement c'est pas mal la game, c'est cool. Il y a vraiment de la baston là. Et du coup, où est-ce qu'on en est aussi? Il y a au moins 3 points de fight là. Le chinois qui s'installe chez Obsédar. Obsédar qui tient derrière ses murs. Ah ouais, il y a les Strelsi. Pareil, je pense qu'il pourrait les mettre sur les murs s'il se fait attaquer. Ça a gagné un bonus en défense et bonus en portée. Je sais pas s'il y a un bonus de dégâts, mais en tout cas c'est super fort sur les murs. Vandy, ouais, Vandy qui va terminer Cosmos. Les délits du coup qui s'en sortent bien dans la game pour l'instant. La pierre à serre, donc en fait ça booste la vitesse des villageois dans un grand cercle de 15%. Donc en fait si tu veux c'est un peu un boost économique à court et moyen terme chez un mongol. Et si tu veux un boost économique sur long terme chez un mongol et que tu peux faire du trade, tu vas faire l'arbre d'argent. Ce que je déconseille en FFA du coup, l'arbre d'argent, parce que tes caravanes n'ont jamais trop pouvoir faire du trade. Ok, donc il va essayer de se replacer quelque part.
Mais le Zouave c'est cool hein, parce qu'il a, il a vraiment déjà sorti Slammer dès le début, il a vraiment joué l'agressivité. Il a fait du boom, il a joué agressif et c'est vrai que du coup il est premier au score, il est récompensé et moi je trouve ça cool. Je mettrais bien une petite pièce sur le Zouave sur cette game. Il a bien joué son petit rôle, il a bien joué son jeu. Passif. Est-ce que les unités de Harris n'ont pas bougé de la partie, les gars? Genre, c'est sa ligne de cavalier est ancrée dans le sol, quoi. Je me demande s'il n'est pas HK. Non, mais, bah non, bah non, il est quand même H4, donc bah non. Mais ouais. Il s'est dit, je vais jouer le positionnement. Ouais, j'avoue que 22 000 de bouffe le Zouave. C'est celui qui a le plus de bouffe, plus d'or. Et sa compo est parti sur des. Un mix. Une compo assez mixte. Piquier, Chevonneau, Spoutier. Ah, le château, on essaie de le réparer. C'est plus de la pierre, mais il a plus de pierre. Normalement. Ah, il peut plus réparer. Le château, il va tomber. Ah, c'est cool. C'est cool pour le Zouave. Ah, il a fait du trade là. Il a récupéré 800 pierres. Donc Vandy continue toujours son. Oh là là. 18 érudits. 18 érudits. Et il planque juste ses monuments. Il peut gagner peut-être quelques positions. En vrai, Cosmos peut gagner peut-être des positions si genre Obsédar se fait sortir. Ouais, Arich, je sais pas ce qu'il ce qui nous fait l'ami Arich. Cosmos qui essaie de survivre tant bien que mal. Et il n'y a plus personne qui a essayé de sacrer du coup. Ils sont free. On pourrait peut-être en profiter, lancer un petit érudit. Je pense que Vardy avec tous ses érudits pourrait essayer d'en placer un ou deux c'est sacré. Mais est-ce qu'il a fait un bon début de game en prenant les sacrés en premier. Il y a pas mal d'érudits aussi. Et ouais, mais est-ce qu'il peut en veut à Ken hein. Les deux là et Ken par contre ouais du coup qui a pas été embêté par le Zouave. Le Zouave aurait pu au lieu d'aller au nord Mais là il s'assure un tiers de la map le Zouave si Obsidar qui tient encore hein. C'est on dirait c'est une conquête lente mais qui avance. Ok, Nelly continue à se mettre sur la tronche. Bombarde, Elephantos. Là les érudits qui vont faire le taf. Faudrait qu'il prend un peu ses éléphants pour les reculer. Ça demande un peu de micro. Ouais c'est bon. Après les bombardes ça va ouais, ça va découper les éléphants. Non, je sais pas dans ce fight si il ferait pas mieux de focus les érudits avec ses bombardes. Non ça tombe quand même c'est les éléphants. Ah ouais il est tendu ce fight. Et Vandy qui cherche les derniers monuments. Il veut sortir Cosmos, il veut un point pour le kill. Ok. Est-ce que c'est son main TC ça? Je sais pas. En tout cas, la redoute de la step va pouvoir s'échapper. Mais en vrai, il peut se faire voler le kill là, du coup. Je sais pas si ça se passe comment. Genre, c'est MySkip qui tue son dernier bâtiment, c'est lui qui a le kill. Ça serait triste pour. Ah, Psedar a été. Alors, bien joué le Zouave, ça lui fait First Blood plus un kill. Et en plus du coup ça fait deux joueurs en moins donc il s'assure minimum la sixième place. Et je pense qu'il va pas sortir tout de suite tellement il est bien. Là ça va faire, je pense que ça va lui faire une bonne première game hein, s'il continue comme ça. Et là je pense qu'il va s'en prendre à Ken. Et du coup Ken qui va l'avoir on dit dans le cul. Vraiment dans le cul là. Le Zouave ouais, qui redescend, je pense qu'il va aller voir Ken. Il se dit une fois j'ai eu peur de voisin, je vais me mettre bien.
Et je verrai bien au niveau des positions, peut-être Vandy et le Zouave. MySkip, tiens. Parce que MySkip, il est. Est-ce que ça va aller au niveau de la reprod? Parce qu'il va avoir. Vandy qui cherche. Il devrait séparer son armée là. Il devrait envoyer des chevaliers. C'est trop lent les bombardes, les éléphants pour chercher. Chercher son dernier bâtiment. Et en plus, enfin, il va jamais le trouver quoi. Il va jamais le trouver. Il est arrivé à quoi, Slammer? Le Slammer, il s'est fait des pops dès le début par Zouave. Il était entre les deux. Il est parti sur Palissade direct. Il a essayé de wall low. Il a essayé de wall au sud. Et le Zouave, il l'a démonté assez vite. Ah, ça y est, Arish qui profite de la situation. C'est ce que je vous disais, faut être malin, faut être sournois. Faut se méfier de Lucky Dor, comme on dit. Et du coup, Ken là qui se dit putain, ça y est, les alliés se réveillent et il y a le Zouave qui va arriver dans la danse là. Par contre, le Zouave qui passe par le middle. Je serais revenu chez moi. Il passe plein middle. Et là, ok. Fight tendu. Ouais, ok. Il revient. Putain, c'est mobile, hein. Les escopétiers, finalement, ils courent vite. C'est mobile, son petit bataillon. Ouais. Ah, je pense que ça va être la fin pour Ken aussi. MySkip qui est pas mal, hein. Aussi. Je pense que MySkip va falloir qu'il gère Vandy. Ken va falloir qu'il essaie de survivre. Mais c'est. Ouais. C'est dommage qu'il ait pas été voir ses voisins plutôt Ken, parce que du coup maintenant Arish se réveille et profite que les autres se mettent sur la gueule. Et ouais, Ken qui est pas bien du tout. Ouais. Ah voilà, ça y est, on reprend le site sacré. C'est bien. Ça fait un moment qu'ils étaient pas pris. Il suffisait juste d'envoyer un petit érudit. Un petit loup qui bouffe le cul des moines, comme d'habitude. Ah, le Zouave qui est très très agressif. Putain, il va mettre encore des casernes chez chez Ken. Bandit qui rase aussi pas mal de bâtiments. Et je sais qu'ils ont des points pour le nombre d'unités tuées, c'est pour ça aussi que c'est assez dynamique. Et je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est cool parce qu'ils ont pas mis trop de règles, genre moi pas de château ça m'aurait saoulé, pas de mur, faut quand même pouvoir mettre un minimum de mur. Je trouve que c'est cool qu'ils aient mis des points, et c'est important pour que la partie soit dynamique, qu'ils aient mis des points pour les kills, les first blood. Et juste un retour window, je vais regarder s'ils sont bâtiment rasés aussi. Ah, c'est dommage, je crois qu'ils n'ont pas de bâtiment rasé. Ils ont nombre d'éliminations, nombre d'unités tuées, first blood, second blood, source blood. Ok, il y a les trois premiers kills. Et du coup, Zouave qui en a deux, je crois qu'il y a deux premiers. Et Cosmos qui est toujours pas éliminé. En vrai, Cosmos il peut faire du coup quoi? Il peut faire un top 2 s'il se planque comme ça, c'est. Il lui reste quoi? Ça redoute de la step? Bah, ça redoute de la step, putain. Et en plus, il se protège derrière MySkip, quoi. MySkip qui le voit pas. Et si on se met dans sa vision, normalement, il doit pouvoir le voir. Sa vision. Uniquement. Ah non, il le voit pas. Il le voit même pas. Donc en vrai, Cosmos, son bâtiment là peut durer jusqu'à la fin de la game, quoi. Le Zouave qui est carrément. Le Zouave qui aide Ken finalement. Ou alors il s'est dit il y a trop de châteaux, je vais passer sur Arish. Mais c'est vrai que le Zouave et Ken ne sont pas battus. Y aurait-il une alliance cachée? M'aurait-on caché des informations?
fois il ferait le tour. Et un guise sous roche. Il y a cachalot sous rocher. Parce que là clairement ça sera la porte ouverte à Ken aussi de passer dans son bac. Tandis s'il scoot au nord, il peut win. Du coup, de reprendre la position là au nord. Je sais pas s'il avait son armée vanille. Ok. Ça se tape toujours sur les sacrés. Ah, bon rush pour finir Zura. Ouais, totalement. Après, il a le temps de traverser. Enfin, c'est tellement lent de traverser. Élite, quoi. Il a le temps. Zouave, finalement, Zouave il est mobile. Il est mobile. Mais je me demande s'il n'y a pas une alliance entre les. Entre Zouave et Ken. Tellement le gold en lave, ouais. Totalement. Et j'avoue que le champ est libre, faut en profiter, faudra en profiter tout de suite avant que qu'un des en profite. Ken qui d'ailleurs essaie de reprendre un peu. Et Cosmos qui a toujours sa redoute de la step qui va durer à mon avis très longtemps. Voilà, il va un triple fight. Triple fight, Arishi se prend un gangbang. Je pense qu'on cherche le kill là, on cherche même pas à se. En fait finalement on cherche même pas à se taper, on va chercher des bâtiments. Et du coup un ennemi a détruit le bâtiment. Non. Ok. J'ai plus les noms sur le côté. Parce que là, Arishi est éliminé. Est-ce que si je fais ça, c'est bon, ça cache le timer encore? Ouais, c'est bon. Ah non, ça cache pas le timer là. Attendez. Je vais juste faire un petit réglage. Hop. Ouais, du coup, Arish éliminé. Et je crois que c'est Zouave qui a sorti Arish encore. Ah, c'est Zouave sans Braken. Et Zouave qui est là, qui fait une sacrée game. Ah ok, j'avais plus les noms parce que j'étais sur Harry, j'ai été éliminé, d'accord, ok. Ah, on a retrouvé un TC, notre ami Cosmos. Mais ouais, le Zouave qui va... Sorken, il va avoir peut-être 4 kills. Je crois que c'est lui qui a sorti Arish. Et Vandy se fait piquer tous ses kills. Il retrouvera jamais la redoute de la step de Cosmos. Et ben, je sais pas si quelqu'un va la trouver un jour. Et je pense que Cosmos il attend juste. Si Victor Mary c'est le moment. Ouais, au niveau des scores. En vrai, le Zouave il a les ressources. Hein. Il a les ressources, il pourrait en plus de tout raser et essayer de faire sa merveille. Je pense qu'il va l'attendre qu'il y a encore des joueurs qui sortent. Ah, toutes les bombardes de Ken qui vont se faire reprendre là. Ça coûte cher. Toujours la bataille du milieu. Je pense qu'il va y penser. Ça m'étonnerait pas. Il aime les FFA, le Vandy.
là là, ça passe au milieu. Vous avez vu, hein? Le Zouaf qui s'acharne plus sur ma esquive, je pense qu'il a peut-être plus peur aussi. Mais les unités s'ignorent, hein. Vert et rouge s'ignorent totalement. Il y a vraiment une équipe, quoi. Après, bon, le violet il a tellement qu'on veut peut-être. Peut-être le clean là, ces éléphants. Et les éléphants de ma skip qui ont quand même fait des dégâts dans ce game. Oh là là, il y a 4 personnes au même endroit. Est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y aurait pas une alliance, une double alliance là? Pour essayer de sortir. Qui charge les bombardes là. Qui s'en débarrasse. Ça, après ces éléphants ils sont bien. Ouais, je pense je verrais bien Swap et Ken contre Vandy et MySkip là. Le Swap se fait un peu clean. Bon, j'espère qu'il allait, il doit avoir les capacités de reprod. Il en a mis un peu partout. Faudrait qu'il en refasse chez lui quand même, parce que là s'il se fait clean après ça serait dommage. Ce serait dommage qu'il se fasse sortir avec toutes ses ressources. Faut vraiment qu'il spam les bâtiments. Pour tourner à 200 pop instant là, il est à 135. Ken qui a bien résisté, mais je pense que Zouave s'est pas mis dessus. Après son score, Ken commence à descendre, là, sa pop elle descend, sa ressource descend, je pense qu'il va pas tenir très longtemps. Fendi il a énormément de ressources. Normalement le chinois doit quand même des pop d'Eli. S'il se retrouve en duel à la fin, normalement le Zouave devrait être bien. Il lui reste plus que des délits à affronter. Faut qu'il refasse sa pop. Là ça serait trop dommage là. Faut qu'il refasse sa pop dans un coin safe. Bon, encore des reliques. Ça va peut-être tenter un boulolo. Non, salut. Pix et Rolly. Allez, vas-y, on voit le reste de tes troupes. C'est le moment. Il aura bien tenu. Du coup, qui fait le Zouave? Oh, petit run by. Ça, c'est cool. En vrai, quand t'es chinois, ouais, FFA, t'es quand même content. Si tu sais jouer chinois. Il va essayer de run by. Faut gaffe au château. Ouais. Fasse vraiment gaffe au château. Et Vandy qui a détruit beaucoup de bâtiments. Je suis pas sûr qu'il ait détruit beaucoup vite, mais il a détruit beaucoup de bâtiments. Et les bâtiments ça compte pas pour leurs points. Et toujours la redoute de la step. Et il l'a super bien placé du coup, Cosmos. Il va s'assurer un top 3. Bon, il aura pas de kill. Hein.
Il aura pas de kill donc je pense pas que ça soit un top 3 intéressant. Prend encore des reliques. Dernier château de Ken là. Ça sent le sapin comme on dit. Et après est-ce que Vandy va encore se faire piquer un kill Ouais ouais, victoire merveille autorisée. Ah il faut dans la FFA je pense l'autoriser la victoire merveille à un moment si il y a des games qui tellement longtemps. Ah ça fait déjà une heure. Il en reste deux, en vrai ça va finir vers ouais, 18h30, 19h. Je vais avoir soif à force de parler. Hein. Et je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans la vraie vie. Ok, c'est une erreur stratégique. Je vois, mais bon. Moi je pense que Zouave clairement il était avec Ken dans la game. C'est pas ça qui l'a sauvé. Et Ken qui sort. Et je crois que c'est Vandika le kill. Je crois que c'est l'enceinte du défenseur qui est tombé. Ou c'est l'académie d'Iskar. Je sais pas là du coup c'est MySkip ou Vandy. Et est-ce qu'ils vont se mettre. Et ils se mettent pas sur la tronche hein. On va le voir, là on va le voir tout de suite. Je pense qu'il y a une alliance ici de leur côté. Et ils vont se retourner sur le Zouave certainement. Qui a une menace. Vandy à 200 de pop, MySkip à 200 de pop. Et le Zouave qui a énormément de ressources qui est toujours à 140 de pop, c'est dommage. Et là il va se prendre les deux délits. Ou alors MySkip back pour aller chez Vandy derrière. Et ils s'en foutent, je pense qu'en fait ils veulent juste pas se fight et aussi perdre des troupes. Ils veulent juste sniper. Sniper bâtiments. Tellement ils sont lents. Ils peuvent gagner du temps. Encore une fight de middle. Ouais, c'est bizarre. Les bâtiments de prod d'unité rouge et orange, s'il te plaît. Mais rouge, il en avait quand même pas mal. En fait, ce qu'il en avait fait partout sur la map, il s'est fait clean. Je sais pas s'il les a bien tous en raccourci. Là, il y a 11 casernes, 9 archeries. Et il pourrait en faire beaucoup plus. Hein. Il a ressources illimitées. Il faut vraiment qu'il spamme les bâtiments de prod, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Là, il les met au milieu de la map, mais du coup, il se les fait clean. Et du coup, sa pop, elle monte pas. Et ce que je disais, il faut qu'il s'en refasse dans sa base. Pour au moins maintenir à 200 de pop constant quoi. Ça n'empêche pas de faire après des bâtiments en effet s'il veut plus proche mais là du coup bah sa pop il a 51 000 de bouffe et il a pas de pop. Et du coup ouais MySkip et Vandy qui vont juste essayer de sortir. Ça marche Tiger. Courage, le taf.
toi, tu vas pas survivre là. C'est vite. Cosmos qui avait des villageois encore. Du coup, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Il est toujours en train de jouer. Et faire du score. Enfin, du score. Il se refait un peu quand même. Tout ça grâce à sa redoute de la steppe. Et il a réparé sa pierre à serre. Il a réparé, mais il la laisse dans la forêt. Ouais, pour tuer l'armée de My Sleep, là, bah il faut fou les scopétiers. Et un peu de cave. Un peu de cave pour choper les bombards. Ou alors les scopétiers bombards chinoises. Les éléphants, ça peut se faire très vite découper par tous les escopétiers chinois. Mais le truc, c'est que le Zouave, il va se retrouver avec deux ennemis sur lui. Sa pop qui a du mal à... Il a beaucoup de ressources, sa pop qui a du mal à aller à 200. En tout cas, il a fait un bon début de game, le Zouave. Bon début de game agressif. Après, par où ils peuvent passer là? Là, ça snipe à travers le ruisseau. C'est la muraille de Chine là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la débit d'abeille maintenant, j'avais jamais fait gaffe. D'abeille intégrée. Ok, donc on peut les mettre. Du coup, est-ce que. Ouais, Vandy qui va l'aider. On dit qu'il y a 200 pop, mais alors où il a séparé son armée, où il a énormément de villageois. Ah, oh, il a fait ok, il a fait full caravane du coup. 200 pop, 110, 80 unités militaires. Ah oui, ok, il y a les unités militaires. 110 pour my skip. Et le Zouave qui est plus qu'à 55 unités mili. Et c'est vraiment dommage qu'il soit endormi sur sa reprod, il aurait continué dans sa dynamique là. Enclave de l'empereur. Ok, on part sur Merveille du coup. L'ennemi est sur le point de remporter une. Et puis c'est vrai que Vandy là, il a les lieux sacrés. Les lieux sacrés, du coup. Pas le timer des lieux sacrés là. Je peux pas le voir. Je peux pas le voir parce que je suis pas dans le lieu. Donc je sais pas. Je sais pas si Vandy va gagner aussi de sacré du coup là. J'avoue que j'ai pas fait gaffe autant qu'il est. Qu'il y est. Bon, la game qui se pose un peu. Je pense que Vandy va assurer ses sites sacrés. Et là, le Zouave qui leur dit clairement: je fais la merveille et je vais me défendre contre vous, puisque vous êtes de toute manière tous les deux contre moi. Ah, ils ont des tours à faire, les délits par contre, pour aller le chercher. Ah, MySkip et Vandy, je pense qu'ils sont en alliance. Et Cosmos, quand même, des villageois chez le Zouave. Ouais, c'est malin de se protéger derrière un adversaire qui ne te voit pas. Et du coup.
Si Vandy gagne pas au site sacré, ça veut dire qu'il va y avoir Vandy et Maskip. Est-ce qu'ils vont tous les deux être à la recherche de Cosmos ou est-ce qu'ils vont enfin se taper? Le Zwaf qui a 21 000 de score, mais ça je pense que c'est la merveille. Ça rajoute pas mal de score. Il a enfin 200 de pop, il est monté à 98 unités militaires. Ça c'est cool. Je pense que là, vu comme c'est parti, Vandy va l'avoir aussi de sacré. Hein. Ouais, il renforce avec des châteaux. Je pense pas qu'il tienne. Il vient de la poser. Il doit rester 8 minutes. Non, il doit rester 12 minutes pour la merveille. Je sais pas qui tiendra. Ce qui est dommage, c'est qu'en plus il peut pas faire de mur de pierre, parce que du coup le mur de bois l'empêche d'en faire. Il aurait pu en plus faire des walls. Voilà, Maskip qui va laisser la victoire à Vindicator. Et qui va essayer de chercher un kill. Mais on a pas assez, il n'y a pas assez d'unités canon pour les éléphants. Quoique les piquets font le taf, il n'y aura que les qualités. On va perdre des éléphants ici. Puis les abeilles vont se faire des pops. Il faudrait qu'ils snipe la bombarde. Slam à leur rythme. Et ouais, il décape. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Il va pouvoir le reprendre. C'est ce qu'il fallait faire parce qu'à mon avis c'était chaud niveau timer. Et Vandy aura pas les moyens de le reprendre de suite là. Ah non, l'éléphant se fait pull. Ah c'est dommage. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Et il a pas réussi à passer chez le Zouav. Du coup, Vandy qui prend le relais. Ouais, clairement. Oh, c'est un bug, non, il a 14 PV. Il va essayer. Est-ce qu'il va essayer? Ah, il a les troupes en plus à côté pour la pompe. Et Cosmos, où est-ce qu'il en est notre Cosmos là? Toujours dans son coin. Je sais même pas s'il cherche réellement à faire quelque chose. Il pourrait toujours faire, je sais pas, un peu de cave, faire un peu de kill. Franchement, ça lui ferait des points. Et Vandy du coup qui doit être concentré sur son attaque et sur la protection de ses sites sacrés, qui doit être très proche de la victoire. Hein. C'est pas marrant qu'il les a choisis, il a pas été décap. Ah là il va les perdre je pense. Ah oui d'accord. Ok. J'ai pas vu ce qui est arrivé là. Et une bonne reprod de Maskip. Ouais il va reprendre le middle. Finalement le Zwaf qui temporise sur sa merveille.
c'est assez intéressant du coup. Parce que je pensais que le Zouave il allait se prendre les deux délits. Mais le fait qu'il y ait deux win conditions. 3 minutes avant victoire sacrée, ok. 3 minutes avant victoire sacrée, mais victoire sacrée. Site sacré, je crois. C'est mort. Là, c'est mort pour Vendi. Personne. Ça fait une win condition qui s'envole et maintenant là ça va être faut qu'ils se mettent à deux sur la merveille du coup. Après Madskip il doit peut-être pas le fight, il aurait peut-être pu en profiter pour aller, aller chez Vindicator, mais s'ils sont en alliance du coup c'est peut-être pour ça qu'il va avoir. Et puis Madskip il a une bonne reprod. Ça c'est cool. Il a une bonne reprod, il a une bonne écho et un peu les. Ah ouais, quoi qu'il ait un peu léger sur l'or là. Et il y a plein de mine gold, il y a plein de gold au middle là. Vendi il est bien ressource, il peut continuer. Le Zouave ça va. Mais il pourra plus trop réparer des châteaux et tout, la pierre. Après il peut faire du trade. Il doit commencer à transpirer des fesses là. La machine délicate avance lentement. Et Fordy qui persiste. Non, je reprendrai quand même les sites sacrés. Même si j'étais des capes, je les reprends. Passage est ouvert. Et en fait je pense que ouais, là ils vont foncer vraiment tous les deux pour essayer de choper la merveille. À ce moment là de la game entre tous les éléphants et les bombardes, je pense que de toute façon ça sert plus à rien de faire des châteaux. Faut qu'ils maintiennent 200 de pop constant le chinois. Et là le mieux voilà, sa compo là elle est bien. Ouais, je pense que piquer là, il y en a même pas besoin. Genre juste reprod, mais vraiment genre il a beaucoup de bois. Genre j'aurais fait 40 archéries et reprod de l'escopetti à fond. Escopetti piqué avec de l'artillerie. Ouais, voilà. Escopetti artillerie. Ouais, peut-être des piqués, mais je pense qu'on a même pas besoin. Les escopetti, ils ont chinois, ils ont de la portée en plus. Par rapport aux autres escopettiers, donc je pense qu'il a dû faire l'amélioration. Il y a tellement de bâtiments, je pourrais pas le voir. Si ça fait l'amélioration portée. Je trouve pas d'université chez chinois. Ce serait dommage qu'il n'ait pas fait. En tout cas la forge il a tout fait donc je pense qu'il a... s'il joue... Ouais c'est l'université, ouais ok. Ouais depuis la dernière mage ils ont 1,5 de parcelles en plus si je dis pas de bêtises, ça leur fait 20%. C'est les meilleurs escopetiers du jeu. Pour contrebalancer le nerf des grenadiers. Ouais, là, ça va. Faut juste qu'il kite par contre, faut pas qu'il prenne, faut pas qu'il aille au contact. Database c'est bien s'il y a des. Je pense qu'il fait quand même mal sur les plantes. C'est surtout bien s'il a des érudits. Tu vois, s'il y a un pack d'érudits, il vole avec lui. Ah, je sais pas qu'il a eu au contact. Il a juste un reculé. Oh, il a pris les bombardes. Oh, les éléphants ils ont fondu. Hein. Et là, s'il avait 40. Voilà. S'il avait 40 à archerie. Et bah il se refait son stock d'escopettiers et il finit. Et il tient. Et où est-ce qu'il est notre père Vendi là? 92 d'armée, je sais pas où est-ce qu'il est son... Ah ouais le nord. Ah oui mais il est sur deux fronts en plus le Zouave. Ouais.
Zouave a pris tellement de place. Zouave fait une belle game, hein. Vraiment. Yo Tarlanor, merci pour le raid. Bienvenue sur. Re-bienvenue sur le la finale. C'est vraiment une belle partie. C'est assez long, mais c'est quand même une partie cool. Ça va mon ami et toi? T'as streamé un peu tu stream le matin, j'ai vu ton annonce du coup. Tu stream le matin l'après-midi. Ouais c'est long, là j'ai encore deux games après à commenter. Mais c'est bien parce que par contre la game elle est cool. Ouais. Ah putain moi c'est totalement l'inverse. Et le Zouave qui a fait une belle game. Si c'est lui qui gagne, je suis content. Je trouve c'est mérité. Ouais bah en fait c'est Vendicator et MySkip qui ont fait un tournoi FFA. Et ils m'ont demandé si je pouvais le stream et vu que je connais bien. Je dis bah pas de soucis, moi c'est si je peux faire plaisir. Si ça peut faire un petit adhérissement à la communauté, carrément avec plaisir. Et je sais pas où est-ce qu'on est la merveille là, ça fait un moment qu'elle est lancée, j'ai pas regardé sur ma montre mais il doit plus rester grand chose de temps, il faut qu'il tienne. Et il se bat sur deux fronts. Bah écoute le Zouave, moi c'est pour ouais, merveille. Et là je pense que la merveille il reste quelques minutes et il a fait une grosse game le Zouave. Que l'enrage c'est neuf. Là t'inquiète, il transpire des fesses, hein. il a les deux sur la tronche. Et je pense que le Zouave a enfin compris là qu'il fallait qu'il aille sur sa reprod. Il arrive à maintenir son 200 blocs. Et il est contre deux armées. En effet la micro c'est dur là, ça doit être dur de faire tout. Mais il va clean Vendy. Du coup là faut qu'il prenne les érudits avec ses abeilles. Il s'en débarrasse. Ah une abeille du coup. En fait il a vraiment une bonne compo en plus hein, le Zorb. Il peut peut-être se débarrasser de quelques piquets. Continuer sur une abeille du coup c'est pas mal pour les escopettiers de Vendy et Skelar. Et ces escopétiers sont pas mal contre les éléphants de MySkip. Donc les escopétiers nid d'abeille, en plus voilà pour les lancer. Pourquoi il fait des lancers? Ouais ça coûte pas d'or. Mais il a l'or. Je sais pas pourquoi il fait des lancers MySkip. À moins de se... ouais. Y'a aucune unité cave. Il gère hein. Et le truc c'est que pour un chinois il a pas fait son chinois qui a boomé. Il a été directement agressif. Il était agressif tout au long de la partie et c'est pas reposé le Zouave. C'est vraiment une victoire méritée. Bah pour combien de temps là je pense que... Il essaie de Vendy qui se rapproche un peu de la merveille mais il va tenir hein, il va la gagner. Hein. Mais là ça fait longtemps qu'elle y est la merveille, ça fait 10 minutes pas facile. Le Zouave il doit être en train de transpirer mon gars. Pour battre la compo du chinois, bah voilà, faut être deux quoi. Forcément, il est obligé de faire des bombardes parce qu'il faut prendre les bâtiments, donc ça, il est obligé de continuer à faire. Il faudrait qu'il fasse des mangonos. Et en fait, il n'y a aucun délit qui fait des mangonos. Parce qu'il aurait les bombardes pour sniper les nids d'abeilles et les bâtiments. Et il est. En fait, ouais. Faudrait qu'il y ait un délit qui part sur du mangono. Après je comprends pas trop leur compo avec leurs piquets. Ah si mais les piquets c'est pour les éléphants. C'est dit pour les éléphants ça coûte pas cher.
Ouais, j'ai pas vu, il a plus d'or le Zouave. Donc en effet, il est piqué. C'est assez cohérent pour continuer à se battre contre les forces. Il y a plein de mines d'or qui sont pas exploitées. Hein. Un fornicateur, il a 100 000 de nourriture. Et je savais même pas, les gars, que c'était bloqué. J'avais jamais vu. J'ai jamais vu qu'on pouvait pas monter plus. Ouais, c'est nul ça, de part les timers. Donc, ça, je suis d'accord. Et il y a... Oh putain, il y a plus la redoute de la steppe. Il l'a redéplacé. Il y a Cosmos qui survit depuis le début. Mais du coup, dommage pour lui parce que si ça se gagne à la merveille, il va pas gagner. Il va même pas être... Il va même pas avoir un top 3 ou quoi que ce soit. Ouais, on aurait pu être très loin là. Là, je pense qu'il reste 2 minutes. Ouais, les délits devraient ramener des bâtiments de prod autour du Zov là. 3 minutes. Oh, j'ai l'impression que ça fait 30 minutes qu'elle y est la merveille, je vous jure. Et le Zov, il doit tenir 3 minutes. Oh là là, quelle horreur. J'ai mon Wizbot qui déconne au niveau des annonces, faudra que je regarde ça après. Ah là là, Vandy qui gagne du terrain. Ah, ils vont éclore 3 minutes, c'est clair. Et le score de Zouave qui descend, il a perdu 3000 en quelques minutes, il a plus d'or. Il a 73 unités militaires. Donc il se bat contre le double. Avec les 77 de... Ah non, 123 de ma skip. Et 120... Ah non, il a 31 unités militaires. Ah ouais, là ça va être compliqué. Genre je pense qu'il va avoir la haine s'il perd sa merveille à 32 minutes. Oh mon dieu. Et là il a juste à... ouais il va la perdre, il a juste à mettre ses bombardes maintenant. Là le champ est libre. Ah du coup ça va nous relancer pour 30 minutes de game tout ça. Le temps que les délits s'affrontent. Ah, je suis triste pour le Zouave. Par contre, en unité tuée, le Zouave il va être énorme. Et ça va lui faire des points du coup. Ouais, c'est vrai, il pourrait y avoir un temps maximum et arrêter la partie. Et vu qu'ils font des scores en plus au niveau des termes d'unité tuée. Je leur soumettrai une idée à la prochaine fois. Parce que 3 games ça fait très très long. En plus il n'y a pas de timer. Genre tu mets 1 heure. 1 heure voilà. Un tournoi ça dure 3 heures. Si tu fais 3 games c'est bien 1 heure. En plus du coup ça force les gens s'ils veulent gagner des points à être encore plus agressifs. Ouais bien vu. Ah le Zouave. Le Zouave qui nous a rejoint sur le stream, c'est qu'il est sorti. Ça fait une belle game le Zouave. T'as fait une belle game. T'as été bien agressif au début, tu t'es pas reposé, tu t'es battu contre 2 mecs, tu perds ta merveille à 1 minute de la fin, je suis deg pour toi mon ami. T'as fait une très belle partie, GG. Ah t'as fait ta game hein, t'as fait une grosse game frérot. Mais moi je pense que le Zouave tu devais être en alliance avec Ken. À un moment tu l'as contourné pour aller chez Arish. Je me dis pourquoi. Et je pense que Vandy et MySkip étaient en alliance aussi à un moment. Bon après la merveille a fait que forcément de toute façon moi c'est ce que j'aurais fait, j'aurais mis en alliance. Mais ils étaient aussi au début peut-être un peu en alliance quand même. Ah le début ouais c'était le Zouave il a agressé.
Et du coup, ça doit te faire, ça te fait pas mal de kills, ça le zoa pas mal de kills, t'es tué pas mal de mecs, ça t'as le flanc. Ok, parce que les trois étaient pseudo-alliés, ouais, d'accord. Okay. Ah, ça, c'est des infos intramuros. Relation entre les personnes. J'ai les trois premiers kills, ouais, c'est ça. T'as sorti Slammer, t'as sorti Obsédar. Ah, du coup, c'est toi qui as volé le kill de Ken alors? Non, mais non, t'étais avec Ken. T'as volé le kill de. T'as eu le. Ah, bah oui, Arish. Et je pense que sur ta défense à la fin, tu dois prendre plein d'unités tuées. Je crois que Vindicator s'est fait voler tous les kills par contre. Enfin, tous les kills de son côté qu'il a voulu faire. Bah, déjà, Cosmos il a pas réussi à le terminer donc il aura pas le kill. Je crois que MySkip lui a pris Ken, je sais pas avec lequel des deux a tué Ken. Bon là ça va être un peu long, le temps qu'ils se mettent sur la tronche bah du coup Cosmos si qui rentre dans le top 3. Ah Cosmos t'aurais vu comment il a planqué ses bâtiments quoi. Impossible de les retrouver une map géante comme ça. Mais... Ouais, c'est clair. Je suis concentré à vous casser deux games après encore. Je sais pas si t'es sur leur Discord, le Zoff, si tu veux pas leur soumettre un timer. Alors, une heure. Je leur dirai à MySkip et Vandy pour les prochains. Et en plus, c'est pas assez bien parce que c'était pas une game où. Bon, à part, j'ai trouvé Obsédar et surtout Arish qui était un peu passif. C'est pas une game où les gens ont campé quoi. C'est, tu te dis, ça a bien bougé. Hein. Ça a bien bougé et ça dure quand même 1h30. Chez Vandy, et là, si Vandy il a de la reprod, bon, il a tellement de ressources que pff, pareil, il peut se défendre longtemps hein. Entre les châteaux, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Point de score, tu gardes les points de score, tu gardes le classement. Tu gardes le classement, donc là, ça serait Vandy du coup qui serait premier. Et puis voilà. Face à face, il va être. C'est limite si Cosmos après il pourra pas. En vrai, depuis le temps qu'il s'est refait Cosmos, ça fait quand même longtemps qu'il s'est refait là. Il est H4. Et en plus, il a 36 000 de bouffe. Donc en vrai, il se ferait une escouade de cave. Déjà, il ferait des kills. Et il ferait bouger la game là, il pourrait sniper MySkip là. Si MySkip est chez Ken, il prend les bâtiments. Et je pense que ouais, il a AFK, il survit juste quoi. Je sais pas s'il fait déplacer ses bâtiments, il les met au coin, il fait je sais pas du tout. Et toujours sa pierre à serre qui a pas servi de la game, qui a toujours été en mode empaqueté là, dans des forêts. J'ai pas compris du tout le plan de jeu de Cosmos. Seule chose que j'ai compris au début, c'est quand il s'est mis sur le côté pour être tranquille. Doros,
Et déjà qu'en plus Delhi c'est compliqué à jouer, mais en plus c'est ça te rajoute de la lourdeur dans la game là, une finale de Delhi. Ça aurait été un Mongol contre un Français et tout, ce serait de la terminer. Qu'il attaque sur deux fronts, ça va être trop long. Si le Mongol détruit les bâtiments de joueurs abandonnés, il y a toujours. Ah non, non, non. Ça serait tellement fumé. Non, non, il n'y a pas ça. Ça serait tellement fort sinon. Le mec là, il sera fait. il va détruire tous les bâtiments, il sera fait. Il sera fait tellement... Bonne question. Salut Docteur Choco. Là il avance pas d'un pouce quoi. Et je pense que Mindskip... En fait il devrait faire la merveille. Je sais pas s'il a les ressources. Ah il lui manque de l'or. Merci pour le follow Docteur Choco. Merci beaucoup. Bah Zouave il s'est pris, Zouave il a fait une grosse game hein. Il a défendu mais genre 14 minutes sa merveille contre Vandy et Mindskip. Je suis deg qu'ils sont sortis, il méritait la win pour moi. Mais il a défendu 15 minutes, il devait suer du cul. Et je pense que ouais, au bout d'un moment et il perd sa merveille vraiment à une minute de la fin. Ça aurait été cool parce que du coup il aurait eu la victoire et là je pense que faut qu'il y en ait un des deux qui fasse la merveille. Et j'espère que Mindskip va au moins essayer de prendre le site sacré s'il arrive à bouger. Pas d'autres merveilles non. Bah ouais c'est ça, Vandy. De toute façon il y avait. Moi j'ai vu l'alliance Zouave, Ken et Vandy. Vandy Mindskip. T'as eu raison, Zouave de la faire, ouais. En ayant ses paramètres en considération. Et du coup, tu l'aurais fait une minute et tout. Là, mais vous entendez le spam des unités qui reprennent là? Ils vont jamais s'en sortir. Et d'ailleurs, Spicer, bah du coup, c'est ce qu'on disait. C'est trop dommage parce que Cosmos ça fait genre. Pareil, ça fait une demi-heure qu'il s'est refait. Il a pas produit une seule unité mythe. Hein. Et il aurait pu. Profiter là de la situation. Faire du kill et peut-être sortir à quelqu'un. Non mais le bleu mec, il a été partout. Comme je disais, je comprenais pas son gameplay parce qu'au début c'est bien le move. Il va sur la droite, ok. Il se met bien, il fait 3 TC. Il boum. Là, sa pierre elle a jamais été déployée. Vandy, il fait pas de merveille. Je pense qu'il a plus l'or.
Et Vordi il avait 100 000 de bouffe, je savais même pas qu'il y avait un cap de bouffe où il était bloqué. C'est Zouave qui a fait une merveille tout à l'heure. Ah ça y est. Cosmos ça y est, prépare un petit raid, ça c'est cool. Juste à faire tomber la merveille. Non j'ai pas vu Vendy faire de merveille. Après comme on n'a pas les infos des timers quand t'es spectateur, t'as pas les infos des timers merveille et... Et si sacré, donc s'il en a fait une... Et si tu as raison. Si t'as raison. Et oui t'as raison, bon bah c'est bien. Donc c'était après détruire le site sacré, donc ça c'est cool, ok. Ouais du coup t'as raison, c'était quand tu fais du site à 5. Ouais c'est vrai. Ah ça y est. Et du coup putain il va sniper la merveille. Ah le fourbe de Cosmos. Il s'est planqué toute la game. Vendy a pas réussi à le sortir. Et là il va arriver, il va juste lui prendre sa merveille. Genre tu sais la petite paf derrière la tête là. La petite claque derrière la tête. Par contre faut qu'il fasse du siège pour passer. Bateau, ouais non, bateau transport sera trop long. Et du coup c'est Vendy qui se retourne à la position du Zouave de tout à l'heure. Cool, merci de l'avoir aussi le sacré. Donc là il y a des conditions de victoire qui sont activées, ça va un peu accélérer la game. Ok, si bateau transport. Ouais non finalement ça c'est rapide vu le peu qui a traversé. Et Vendy il doit être en train de. Il doit être en train de péter un câble. Après il peut pas défendre avec des tours canons, donc ça doit être full tour espingale. Et ouais, la merveille qui va tomber, je pense. Ça aurait été moins efficace que le Zouave, mais c'est plus simple si on a le choix. Et là, du coup, Vendy. Du coup, My Skip qui est bien. My Skip qui récupère le 6 sacré, donc qui récupère 2 mines comme en or. De toute façon, il y a encore assez de mines, vraiment, les mines. En fait, c'est inépuisable en FFA parce qu'il y a mine d'or. Et Vendy là qui va. Faut pas que Cosmos s'arrête par contre. Il a snipé la merveille. En fait il a snipé la merveille juste pour l'emmerder, mais faut pas qu'il s'arrête. Ouais, joli coup. Faut qu'il continue à mettre la pression là. Et faut que My Skip il def comme Jaja son. Si ça crée un front là. Cosmos il s'est mis aux quatre coins de la map. Et puis B il utilise pas ses landmarks du tout quoi du coup. Il a trop peur de se les faire. Je pense qu'il a peur de se les faire prendre en les déplaçant. Ce qui est vrai, par contre, le middle là, ça va être compliqué de. C'est vrai que c'est compliqué là de le déplacer. Par contre, pour sa défense, c'est compliqué de le déplacer au milieu sans se faire voir. Peut-être, ouais, il peut pas. Difficile de longer parce que, ouais, il y a la forêt, il y a la montagne. Alors, en fait, c'est leur arc là. Attention, ils sont un peu coincés. Et ouais, ça se remet sur la tronche. Et on est revenu au point de départ. Je pense que les joueurs vont être fatigués après, après leur 3 parties. Hein.
Un skip qui tient. Il faut que Cosmos y aille là. Ah il a perdu, purée, il a perdu ses... Eh ouais. Il a perdu ses, ses ports. J'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est les tours qu'on... Ouais. Ok. Je sais pas comment ce... Je sais pas comment ce port là a été détruit. Ah il celui-là peut-être avec la tour et encore. Ah peut-être la cave. Ouais la cave de Vandy qui a dû passer. Il est passé sur le côté. Allez la chercher peut-être. Thomas. Et nos amis d'Eli toujours en train de se courir. Rapprocher peut-être des châteaux. Encore. Souvent dit, il n'y a pas beaucoup de bombardes. Et Vandy, du coup, qui a plus accès à beaucoup d'or. Finalement. Ah, Cosmos en mouvement. Vandy reprenne un peu de la gold là. Et ma skip. Bon, ma skip est les 3 sites sacrés. Il a un bon income. Non, c'est la bouffe. Ouais, la bouffe. Et Vandy 14 qui a 200 pop. Lui, la bouffe, ça va. Du coup, s'il n'arrive pas à reprendre ma skip, il risque de perdre son dernier site sacré. Direct son. Direct son problème de bouffe. Et là pareil je sais pas ce que fait Cosmos du coup. Il a moyen de faire quelque chose dans la game encore. Ça tient toujours. Par contre, ce serait terrible si Cosmos venait juste d'Inaya un site sacré. Genre, il a vu que la merveille, ça allait y faire gagner, il l'a snipé. Et genre que là, il fasse rien et qu'il vienne juste récupérer le site sacré. Ce serait vraiment terrible. Et c'est ce qu'il va faire, je sens. Là, il n'y a plus rien qui bouge. Ok. On voit du cadavre qui s'est dit bon, il m'a saoulé. Je vais lui remettre un coup. Mais c'est. Bah, comme ça, mon goal, tu le tues jamais finalement. Qu'est-ce qu'il fait, Cosmos? Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Je sais pas, va te défendre ou va attaquer. Reste pas là. Ouais ouais, je sais pas. Je sais pas ce que c'est son play. Mais je pense dirais qu'il joue par intermittence, qu'il y a un coup il est devant son ordi et un coup il est pas là. Je vois pas l'intérêt de pas se défendre ou de pas attaquer là. Ouais, c'est là. Bon. Ça y est. Par contre, ça, pour placer ses bâtiments dans les coins de map, ça il y arrive bien. Et voilà.
Et il a vu, Vardy il a vu. Il a vu, il s'est dit putain, faut que je snipe ces bâtiments. Il le redéplace. Et en vrai limite, là où tu vas moins chercher, c'est chez toi. Et il va le mettre ici, derrière sa base. Il te reste 5 minutes sur la victoire site sacrée. Ok, ça y est, c'est défendu Cosmos. Super du villageois, mais ouais. Il va remporter le fight avec la masse là. Ça y est, ouais, c'est ça. Ouais, ce qui part, mais c'est. C'est le château sur le devant. Et Vandy qui chasse, Vandy qui n'aura jamais pu sortir Cosmos. Qui a fait mal au début. Zouaf, tu sais qui c'est qui t'a tué entre Maeskip et Vandy? Donc je sais pas du tout. Vous avez vu dans le chat qui c'est qui a tué Zouaf? Je sais que les bombardes de Maeskip étaient proches, mais je sais pas qui c'est qui l'a sorti. On doit aller contre Cosmos. Ouais. On va pas le sortir. Il vient d'être sa mère. Il s'est plaqué toute la game. Il est revenu juste sur pour lui péter sa mère. À tenir, elle est interminable cette partie. Il faut mettre un timer sur ces games de FFA. Ça va être dur pour les joueurs, ça va être, ça va être long pour les spectateurs. Même si la game était super, ça n'a rien à dire. Mais 10 heures de finale, ça sera trop. Allez, Maeskip, tiens-moi ce lieu sacré, bordel. Allez, ça va le faire. Et le truc, c'est que tu dis c'était. Ouais, c'est ça, je répète, c'était 2 heures, mais c'est une partie qui a bougé, c'est pas une partie, chacun est resté dans son coin. Après, peut-être que le fait qu'il y ait eu des alliances aussi, ça a fait qu'il y avait des trop grosses positions fortes et que c'était pas assez. Il n'y avait pas assez de points faibles et du coup c'est plus dur de sortir aussi. Enfin, il y a des groupes, finalement ça finit sur du 2 contre 2 un peu. Ouais, après ils sont en tournoi. En plus ils se disent, bon, ils sont un peu regardés, ils veulent. Normal, ils veulent. Je comprends qu'ils veulent jouer leur game jusqu'au bout. Mais faire quelque chose de soigner au départ. Et moi je serai dans le même. Je serai pareil en mode tryhard. Bon. Si je vois que je perds, je quitte. Mais là, en fait, clairement, il peut pas se. Il y en a pas un seul qui est en train de perdre. Là finalement, c'est Vordic qui perd parce que la police est sacrée. Mais.
Et Cosmos qui sait. Cosmos, ça va être. Ah, ça y est, c'est le GG. Le GG de MySkip, qui a fait une partie solide aussi. Qui a eu les sites sacrés dès le début. Du coup, qui est passé vite, château. Après, ça a été un peu plus compliqué pour la suite de sa game. GG à MySkip. GG à tout le monde. Une belle première partie. Et il y en a deux autres. Deux autres à suivre. Je sais pas si les statistiques vont être. Vont me dire grand chose. À part notre ami Slammer. Lui, du coup, ça a dû être long d'attendre. Et le Zouave qui a dominé un moment la game. Hein. Et le Zouave qui fait une belle partie. Hein. Du début à la fin. Jusqu'à la perte de sa merveille. Ah, il avait annoncé qu'il allait te chercher, c'est pour ça que tu as sorti direct. Après, en même temps, je pense que tu devais sortir un des deux. Ça avait Ken sur le côté. Mais bon, du coup, si t'es en alliance avec lui, ouais, et t'avais Slammer. Pause de 10 minutes. Ouais, ta time à la prochaine, c'est cool. Donc, pendant la pause, je vais vous mettre. Alors, je sais pas si normalement je dois avoir accès aux résultats. Du coup, c'est cool. C'est bien foutu leur, leur machin. Ça représente un peu ce qui s'est passé dans la game. Du coup, le Zouave premier sur cette partie. Et c'est mérité. MySkip et Vindicator qui ont fait une belle partie aussi. C'est mérité. Leur point, c'est bien. Même si c'est MySkip qui gagne, c'est le Zouave qui est premier. Et Cosmos, finalement, Cosmos qui est quatrième. Juste en planquant ses bâtiments quoi. Bon il a pas de points hein. Mais il est quatrième avec sa game quoi.